Bien, on reprend la partie presque là où on l'avait laissé la dernière fois, avec donc cette envie là d'aller faire un tour en face là-bas. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a eu quelques petites choses changées. Bah oui, je suis retourné dans la mine juste pour aller récupérer l'or et l'argent et le fer. Et la nuit est tombée, donc j'ai fait mes premiers sommes dans mon lit. Et au réveil, voilà, j'ai croisé un squelette, deux zombies, et puis il y a ce petit creeper qui m'attend là, de l'autre côté. Alors je ne vais pas y aller. Je ne vais pas aller le voir. Je vais me passer de ça. On va éviter, quoi. Vous voyez, j'ai perdu de la vie. J'ai pas spécialement envie d'affronter un creeper. Même si bah, vous connaissez peut-être le fonctionnement, il suffit d'avancer, de reculer suffisamment, pas d'avancer, de le frapper, de reculer suffisamment et puis de revenir à la charge deux ou trois fois, quatre fois, ça va dépendre de votre épée. Moi, je vous dis trois fois parce que j'ai l'habitude avec mes armes enchantées, mais là, je pense qu'en repartant sur cette base, ça sera peut-être différent. Alors voilà, l'épisode, eh ben, l'épisode, il me reste 65 minutes et 46 secondes de jeu. Et l'idée, ça va être d'aller faire un tour par là-bas. Alors je pourrais crafter un bateau, ça serait super. Hein, ça serait la bonne technique quand même, crafter un petit bateau et puis y aller. On va manger un bout avant d'y aller en bateau. Franchement, c'est comme ça que ça rendrait mieux. Allez, hop, on se crafte ça. Que ça recharge correctement et puis on peut continuer. Allons-y, à l'abordage!
logiquement, je devrais quand même pouvoir y rentrer dans ce bateau. C'est pas possible, impossible de rentrer sans... Ah, voilà, on va faire comme ça. Pas voir par où je dois aller. Par ici, par là. Bon, ouais. On essaie par ici.
Retour à la case départ. Bon, je pense qu'on va se construire un bateau et puis on va repartir dans une autre direction. Ici, mais il y a de l'eau. Est enfoui par ici, mais il faut que je trouve une solution pour pouvoir y accéder sans me noyer. Alors, je vais tester différentes solutions. C'est parti!